Toi qui fais partie des 50% à regarder mes vidéos mais ne pas être abonné à la chaîne, abonne-toi, je te vois. Toi aussi, je te vois. Toi, oh, qu'il est mignon ce petit chat. Mais je te vois quand même. Abonne-toi, sinon je te... Bah rien en fait. Mais abonne-toi. Et puis active la cloche de notification, c'est très important quand même. Ah bah oui, faut pas l'oublier. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FM22. On va se lancer pour un nouveau défi que je n'ai pas fait sur les deux dernières opus. Même je n'ai pas vu une seule fois sur le YouTube Game. C'est-à-dire on va essayer de faire une petite course de 25% sur je sais pas quel circuit, avec je sais pas quelle voiture. Mais on va mettre le carburant au minimum. Comme vous savez, vous pouvez augmenter le carburant avant le départ ou le diminuer. Du coup nous ce qu'on va faire, c'est que je vais le diminuer au minimum. Non, je vais le diminuer au maximum du moins. Et voir si on peut finir une course avec, tout en gérant le carburant. On va mettre tous les scénarios possibles, donc c'est-à-dire on va mettre le tour de formation, on va mettre la safety car, s'il y a un accident, s'il y a un abandon, etc. Il y aura bien sûr l'arrêt au stand obligatoire. Du coup, on va le découvrir en même temps, parce que je ne l'ai pas fait une seule fois, et ça va être une grosse découverte. Allez, on est sur la grille de départ avec la Red Bull de Max Verst. Oh, de la pluie! Oh, de la pluie, j'ai mis météo dynamique. Ok, intéressant. Ok, bon, comme vous pouvez voir là, avec la barre du réglage de carburant, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut l'augmenter. Donc là, par exemple, on est à plus de 57 de carburant. Donc on a 2 tours et demi de plus sur le carburant. Et si on le descend au maximum, voilà. Alors, on a 18 tours à couvrir. Il y a 15 tours de carburant. On est à moins 3 tours sur le carburant. Donc l'objectif, c'est vraiment de ne pas gagner la course. En vrai, on s'en fout de gagner ou pas du tout la course. C'est vraiment de finir la course avec ce manque de carburant, si on arrive à arriver dans le positif ou pas. Mais avec la pluie, ça peut potentiellement nous aider, parce que comme on fait des short shifts, ça peut économiser un peu plus de carburant et freiner un peu plus tôt. Du coup, ça fait un peu plus ou moins le... Comment on appelle ça déjà? Le lift and coast, voilà. Du coup, je sais même pas quand est-ce qu'il va pleuvoir, mais on va éviter de mettre des pneus médium. Ce qui est plutôt pas mal avec le tour de formation. Donc oui, je sais plus si je l'ai dit, mais on va partir dernier. Voilà, on va mettre déjà en mélange pauvre. Ce qui est plutôt chiant, même si on est dans le tour de formation, c'est qu'on peut pas voir le carburant qu'on a actuellement dans le tour de formation. Donc on va voir si ça change ou pas grand chose durant le tour de formation. On va voir ça tout de suite sur la grille de départ. Oh, je crois que j'ai bien fait de mettre des pneus tendres. Je crois qu'il commence à pleuvoir. Mais de toute façon, une fois qu'on est passé sur la grille, il arrêtera de pleuvoir. La météo se mettra à zéro. Alors, on va voir si ça a changé grand chose ou pas. Alors, on était à moins 3,14, un truc comme ça. Attends, on va se placer sur la grille. On va voir si ça a changé grand chose ou pas. Ah, ça a rien changé, donc ça sert à rien le mélange pauvre pendant le tour d'information. Allez, les feux qui s'allument ici sur le tracé du Mexique avec la rébute de Max Verstappen et le départ qui a été donné. En plus, non, rien du tout, j'allais dire une bêtise. On est à température optimale pour le départ et on a déjà pas mal d'usure déjà au pneu arrière. Ok, très bien, yes, pourquoi pas. Allez, on prend déjà un mauvais départ, hein. Le RAC est activé, on va essayer de prendre déjà l'avantage sur la Williams Alexander Albon. Attention quand même à l'accrochage, je crois que j'ai même pas désactivé les dégâts. Donc, quoi qu'il arrive, s'il y a un pet, bah il y aura un pet. Ok, merci Guanujo. Allez, on accélère. La Red Bull est plus performante que l'Alfa Romeo. On va faire des short shift quand même pour économiser un peu le carburant. Oh là là, le décalage au dernier moment de Nicolas Latifi qui a failli assassiner Guanujo. Oh là là, obligé de couper, hein. Ça passera pas à 3. Allez, on va peut-être passer. Oh, l'attaque de Sebastian Vettel sur Guanujo. On fait l'extérieur sur Guanujo. Allez, ça repasse, hein, une fois de plus sur le deuxième fois pour le pilote chinois, pardon. On sort un peu large, attention, ça a glissé pour Sébastien Vettel. Un peu compliqué, hein, pour le pilote Aston Martin pour l'instant. Est-ce qu'on a des dégâts? Je pense pas. Et ta voiture? Pas de soucis à non, faire au niveau de la dégradation des pneus. Continue à les économiser. Allez, on ferait un freinage tardif, excuse-moi Seb. C'était de la merde, je reconnais totalement. Je suis pas totalement chaud, c'est le premier roulage de la journée. Ah ouais, on est toujours à moins 3,19, donc ça va être assez compliqué de revenir sur le positif dans le carburant. Ah ouais, non mais ça a l'air compliqué en vrai. Je suis à fond, je suis en 8ème, ça économise pas du tout si je lâche un peu. Oh, on a récupéré un petit peu, ok, donc il va falloir lâcher un petit peu l'accélérateur avant le freinage apparemment. Ouais, ça récupère pratiquement rien du tout pour l'instant. Allez, on relâche. Et ça va nous attaquer, qui va peut-être même doubler sur Pierre Gasly. Finalement on repasse à l'extérieur, hein, sur les deux pilotes. C'est bon. Et il commence à bien pleuvoir là. On commence à voir des gouttes sur la caméra. Ça va être assez compliqué apparemment cette course. On commence sur le sec. Oh, ça a glissé pour Mick Schumacher. Oh là, je pensais pouvoir passer, finalement non. Oh, peut-être pas du tout finalement. C'est un peu dangereux en fait, hein, le lift and coast, hein. Oh, on va peut-être pouvoir passer sur Mick finalement. Voilà, c'est bien. Lâche-moi un peu Mick.
Mick, lâche-moi. Non, Mick, faut me lâcher. Merci. On est au troisième tour, sur 18. On va pas tarder à rentrer au stand pour mettre des pneus pluie ou intermédiaires, à voir. Alors, j'ai pas de réglage voiture spécifique, pardon, pour la... pour le tracé du Mexique. Et tout le monde glisse hein, sur ce virage. Même Ricardo vient de glisser, comme on a vu tout à l'heure avec Mick et Sébastien. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, si vous mettez l'option du carburant en mode difficile, vous saurez que la vitesse de pointe... est assez difficile à trancher pour le moment. Mais mon avis est de continuer avec les pneus actuels. Et ta pneu? Je sais que les conditions sont loin d'être idéales, mais il va falloir que tu t'accroches. Je ne pense pas que ce soit déjà nécessaire de passer aux pneus intermédiaires. On réfléchit... Ah ah, j'en étais sûr! Nous aimerions l'utiliser. Tu souhaites... Allez, allez, vite! Putain, c'est chiant! Allez, vite, vite! Voilà, intermédiaire! Oh la vache! Non, là, là, c'est chiant parce que depuis 2021, tu peux pas lui faire couper. Non, c'est mon optimal. Avant, tu pouvais lui faire couper le sifflet sur le 2020, tu sais, il parle, etc. T'appuies sur le bouton radio, c'est bon, il se tait, tu choisis l'option. Maintenant, depuis le 21, c'est plus possible. Alors, du coup, on a mis les intermédiaires et on est reparti. Oh, en plus, on a le DRS. En plus, le DRS est encore activé, hein. Sous ces conditions, apparemment. Alors, ça va être une découverte. L'appui sur le tracé. Carburant, économise ce qu'il te reste. Profite de la traînée pour ralentir la monoplace avant le point de freinage. Lève brièvement le pied avant d'utiliser la pédale de frein. Ça va aider. Ouais, le lift and coast, quoi. Ok. Donc, je disais avant que Jeff me coupe le sifflet. Vous saurez que dans l'option carburant, si vous mettez en facile, la vitesse de pointe est légèrement réduite. Et si vous mettez en difficile, la vitesse de pointe est grandement réduite. Donc va falloir réfléchir assez, enfin on va dire réfléchir à deux fois sur vos choix stratégiques, sur le carburant, si vous voulez pas être pénalisé ou quoi que ce soit. Et on revient hein, doucement mais sûrement sur le carburant, mais on est encore très très loin. On est là, on rentre à peine sur le 5ème tour sur 18. Et ça sort des stands, on n'est même pas dans le top 10. Hein. Je sais même plus ils sont à combien l'IA. En plus ils ont mis à jour une fois de plus le jeu concernant l'IA hier. Donc est-ce que c'est revenu comme avant? Ou est-ce que c'est pire? Ou est-ce que c'est moins pire? J'en ai aucune idée. Là je crois que je les ai laissés à 105%. Ou 103, j'en ai aucune idée. Oh le point de corne, ça va. Oh il a glissé encore Ricardo. Mais les IA ils glissent pas mal là en ce moment. Je trouve que les IA ils glissent vraiment pas mal sur ce tracé. Allez on met le reste histoire quand même de rattraper Daniel Ricardo. Est-ce que la météo s'empire ou pas? Condition météo. Les conditions vont continuer à se détériorer pour au moins 10 minutes. Pour l'instant les intermédiaires semblent être les plus rapides. Pour l'instant. Donc ce qui veut dire que normalement on pourrait peut-être mettre des pneus wet. Oh, j'étais en train de penser à une safety car. S'il y a une safety car, ce serait pas plus mal. Il y a deux voitures à l'arrêt là, dans le virage. Allez, s'il te plaît, sors une safety car. Merde, je sors large. Non, il n'y aura pas de safety car malheureusement. Dommage, ça pourrait grandement m'aider. Et il n'y en aura pas du tout. Alors, on prend l'aspiration, le RS activé sur Daniel Ricciardo. Va falloir passer sur le pilote australien à un moment donné. Qui, on ne sait même pas où est-ce qu'il va aller pour la saison 2023. Oh là là, c'est un peu complexe lui. Oh, il s'est un peu planté. Fallait en profiter. Ah, il va pas. Si, c'est bon. Oh là là. Ok, c'est bon, on est passé hein, sur Daniel Ricciardo. Ah, le lift and coast, c'est quand même assez chaud à gérer. Je vais essayer de relâcher un peu plus tôt. Beaucoup plus tôt que d'habitude. Du moins, là, il n'y a plus le DRS. Donc, normalement, on serait moins pénalisé. Et là, il y a une petite bataille à 3. Je crois qu'il y a une Ferrari en plus. Quoique, les pneus pluie vont peut-être faire leur apparition dans quelques instants. On est satisfait de notre choix de pneus pour le moment. Pour le moment. S'il me dit, on réfléchit une stratégie, comme d'habitude, soit une fois que tu passes la ligne ou dans le dernier virage. Et déjà mettre les pneus pluie, on sait jamais. Ouf, ça glisse. Eh, j'arrive, j'ai du mal, hein. J'ai vraiment du mal à récupérer le carburant là. Et pourtant, je lâche tellement tôt. Honnêtement, c'est très complexe. Hein. J'arrive même pas à rattraper Magnussen. Bah, tu vois, même avec conditions humides, je pensais qu'on aurait plus de facilité à économiser le carburant. Puisque, voilà, en réaccélérant ou sortie de virage, on reste en 3 ou en 4. Et bah, finalement, non. On est ni perdant ni gagnant en fait. Alors, vous voyez pas, mais actuellement, je suis en train de voir sur la minimap une Alpine qui est en tête. Soit Ocon, soit Alonso. Allez, on est juste derrière Magnussen. Oh là là, ça va être compliqué de gérer le carburant et d'oublier les voitures. Mais même derrière, normalement, on est censé économiser derrière les voitures, non? Ou je me trompe peut-être? Là, je perds du temps, par contre. Oh là là, les freinages sur les vibreurs, c'est pas trop ça, hein. Ah non, c'est pas une Alpine en tête, c'est une Alpine qui est troisième, pardon.
Il y a une bataille entre une Mercedes et une Féfé. Allez Magnussen. Allez Mag. Allez Kemag. Allez Kev. Oh, je coupe un petit peu, désolé. Ah, il va falloir le passer un petit peu là. Depuis tout à l'heure, je suis derrière lui. Ça bloque. C'est bon. Non, c'est pas bon. Là, c'est bon. Ok. On commence à s'approcher du point où tu risques l'aquaplaning avec ces pneus. Pour l'instant, c'est ok. Mais on va peut-être devoir passer au pneu plus d'ici peu. Oula, oui. Ça commence à devenir un peu plus complexe là actuellement. Et là, je vais me faire attaquer par Kevin. Ouh, il a une vitesse de pointe. Oh, drapeau jaune. Oh, s'il te plaît, safety car. S'il te plaît. S'il te plaît, j'en ai grandement besoin. J'en ai grandement besoin, s'il te plaît. La safety car est en augmenté. Alors, s'il te plaît, sors ta belle Mercedes ou Aston Martin. Je sais pas c'est quelle voiture. Mais s'il te plaît. Bon, bah, il n'y aura pas de safety car. Non, mais j'ai l'impression de souffrir encore plus que d'habitude, là. Non, faut pas m'attaquer, là. Faut pas m'attaquer. Oh là là. Mais j'ai l'impression de souffrir. La voiture ne veut plus tourner. Ah non, là c'est plus possible. Ah, désolé pour le cut, mais là. Étape pneu. La situation n'est pas parfaite, mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de changer de pneu à l'heure actuelle. Eh, tu sais quoi? Vas-y. Qui tente à rien n'a rien. Hein. Moi je prends le risque. Hein. Ok, allez, vas-y. Je prends le risque et je m'en fous totalement. Allez, optimal. On change les pneus. Vite, vroom vroom. Tu es entré sur ton emplacement. Pile au bon moment. Ah, je suis 16ème. De toute façon, je vous ai dit, hein, l'objectif, c'était vraiment pas de finir premier ou quoi que ce soit. Hein. Me faire doubler pas Stroll, mais bon, tant pis. Non, avance, Mick. Allez, s'il te plaît, avance. Laisse-moi passer si tu veux, mais avance. Merci. T'imagines que les voitures ne veulent pas rentrer au stand et qu'ils vont finir la course là-dessus? Ouais, j'ai un peu forcé à me laisser passer. Ils vont pas box ça, tu vas me dire? Attends, je suis le seul en pneu plus là, tu vas me dire? Ok, il va rester 3 tours. Je suis à moins 1. À Henri Doudside, sur Lance Stroll. C'est bon, ça passe. Je suis à 0,91 là, faut continuer. Même si je pense que c'est tout bonnement impossible maintenant de rattraper le carburant. Enfin, du moins pour les deux derniers tours. Alors c'est possible, hein. C'est fortement possible de rattraper le carburant. Le problème, c'est que tu perds non seulement pas mal de temps, et t'es pas forcément gagnant non plus. Et il faut vraiment penser au lift, hein. Parce que sans le lift, en vrai, tu vas pas aller loin. Hein. Et si tu montes les rapports un peu plus rapidement, bah, y a rien qui change finalement. Ça reste toujours au même stade. Alors je sais même pas à quel moment où la voiture va commencer à ralentir à l'entame du dernier tour. On sait qu'elle peut ralentir dans le premier secteur comme dans le deuxième. Enfin, tout dépend du carburant qui reste dans la voiture. On est à moins 0,75, donc elle pourrait lâcher soit dans le premier secteur, soit à l'entame du deuxième secteur. A voir, de toute façon on va découvrir ça tous ensemble. Ouais, finalement ils ont pas box, hein. Et si j'avais pas ce défi à faire, honnêtement, je pense que les IA en intermédiaire contre moi en wet, il y a forte chance que je les rattrape. Mais bon, comme on est dans les derniers tours, bah, les IA ont la jugeote de ne pas rentrer au stand et de finir la course pour éviter de perdre le moins de temps possible. Donc, on est dans le dernier tour. Il reste 0,73. On va voir où elle va commencer à lâcher la voiture. Enfin, oui, vous m'avez compris. On va quand même continuer à lift, quand même pour gagner un peu de temps. Carbu faible. Ça y est, je crois que. Elle va lâcher à ce moment-là. On est dans le mode carburant faible. Ah, c'est bon, elle commence à lâcher. Elle est en train de lâcher. Il n'y a plus d'essence. Mais elle a toujours autant de vitesse de pointe. On va savoir. Attends, je vais me faire battre par Latifi, quoi, s'il vous plaît, la honte. T'as dommage. S'il y avait une safety car, je pense qu'il y avait moyen vraiment d'économiser, hein, à la victoire de Lewis Hamilton. Hein. Et la voiture, elle est toujours aussi rapide. Elle avait commencé à lâcher à la fin du premier secteur, après le virage 3-4. Et là, comme si de rien n'était. Ok. Ok, pourquoi pas. En fait, tu peux rester en carbu faible, la voiture ne bouge pas. Ah, vous faites péter feu d'artifice sous un temps aussi moche. Ok, très bien, pourquoi pas. Ok. Bon, bah écoutez, les gars, je l'ai dit, hein, on visait pas Victor, c'est vraiment. On va dire que c'est pour la science, pour l'expérience. Mais en tout cas, ouais. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Bon, bah en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc faites-le-moi savoir. Lâchez votre plus gros like, laissez-moi un commentaire et puis abonnez-vous. Si vous êtes nouveau, c'est gratuit, ça mange pas de pain, tout le monde peut en profiter. Ah, pilote du jour, même si on est 16ème, pourquoi pas. Moi je prends, il n'y a pas de souci. Je pense qu'avec le temps sec.
ça aurait été un peu plus complexe, mais si le mode carbu faible était activé, je pense que ça n'aurait ça aurait eu aucun effet. Alors, je sais pas le pourquoi et comment. Alonso sur le podium? Non. Si, je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Et puis, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.